Bonjour, on commence à se connaître, ça fait déjà pas mal de temps qu'on marche vers le Mont-Saint-Michel et aujourd'hui, bien, c'est la dernière étape, celle qu'il ne faut pas rater pour un pèlerin. Derrière moi, Pont-Orson, la plus belle église, on peut dire, soyons pas chauvins nous les Bretons, la plus belle église de cette marche, un roman normand impressionnant. Il nous reste 10 km, enfin peut-être 12, parce que vous savez que le Quesnoy a été canalisé. Alors, si on suivait directement, mais ce serait monotone comme tout, alors on va faire un petit crochet, bien sûr, pour arriver de la façon la plus pure possible au Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, c'est le pèlerinage par excellence. Je ne vais pas être chauvin non plus, mais le Mont-Saint-Michel, c'est peut-être encore mieux que Compostelle, du point de vue symbolique. La Jérusalem céleste, la fin des temps, la vie comme un voyage qui aboutit les forces spirituelles. Vous allez voir, c'est une belle journée qui s'annonce. Et puis en plus, on était parti un peu plus de 60, maintenant ben, on est 100 de plus. Alors pour le moral, c'est parfait. Allons-y! En fait, cette dernière étape, c'était une toute petite étape. Il n'y a que 10 km entre Pont-Orson et le Mont-Saint-Michel et encore 10 km de ligne droite, droite depuis qu'au 18e siècle et au 19e siècle, on a complètement canalisé le Quesnon qui autrefois zigzaguait dans un delta. Alors, on a un petit peu fait un crochet par Lance de Moidrey, comme on dit, justement, qui rappelle un peu ce côté sauvage de l'approche d'autrefois par les Landes. Cette dernière étape, toutefois, était marquée par deux choses. La première, c'était qu'il pleuvait assez fort par moments, du vent, de la bourrasque. Et je ne sais pas si vous réalisez que marcher sous la pluie, ça a quelque chose d'immémorial. C'est comme si on était complètement hors du temps. Et donc, marcher sous la pluie, c'est s'unir aux pèlerins des siècles et des siècles. La deuxième chose, c'était que d'habitude, on marchait le samedi. Et ce jour-là, on avait voulu que ce soit le dimanche, bien sûr. C'était pour s'associer à la messe de 11h avec les moines et les moniales. Mais il y avait aussi quelque chose, vous savez peut-être pas, mais les 5 dimanches d'hiver et un petit peu au-delà, jusqu'au début de mars, l'accès au mont est complètement gratuit. Et cette gratuité, ça a aussi quelque chose d'absolument pèlerin, quoi. L'arrivée au mont, le franchissement de la porte, bien sûr, c'était ce qu'on attendait depuis qu'on était parti. Cette fois-là, bien, je dois dire, ça a été assez merveilleux parce qu'on avait marché vraiment sous la pluie, dans le vent, dans la tempête et tout. Et au fur et à mesure qu'on gravissait quelques marches, le ciel se déchirait et on est arrivé par un grand ciel bleu qui illuminait l'archange. C'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours, mais eh ben, nous, c'est arrivé. Bien sûr, c'est une chance formidable de se retrouver sur cette plateforme de l'église abbatiale. C'était évidemment tout un travail d'architecture phénoménal que de dresser cette église sur un piton. Mais pour nous, bien serrés comme ça, écouter les cloches, regarder les moines et les moniales, quelle récompense! Le Mont-Saint-Michel, bien sûr, breton, normand, quelle importance, c'est patrimoine mondial et c'est ressenti comme tel par tant de gens sur la Terre. Alors nous, même si on n'est qu'à 100 km du mont, à rien, eh bien on vit cette dimension d'être sur un des hauts lieux, une des flammes vivantes de l'humanité. Moi comme vous, comme moi, on a tous besoin de s'élever de temps en temps. La messe sur le haut du mont, c'était un petit peu le sommet du pèlerinage, on peut dire. Bah, la journée n'était pas finie, parce qu'il y avait encore le temps du pique-nique. Le soleil s'était installé, c'était un coup de chance. Alors, il y en a qui ont mangé sur les marches, il y en a d'autres qui ont mangé à l'abri du pèlerin. Il n'y a pas que l'église abbatiale, il y a aussi l'église paroissiale qui est quand même un haut lieu, vous allez pouvoir le voir. Alors pour ce jour-là, nous on avait simplement invité le trio du Beauchet, c'est des gens de chez nous, des maîtres en chant qui traversent les siècles. Ils nous avaient préparé un répertoire extraordinaire, capable de nous transporter jusqu'aux origines du temps des pèlerins d'avant l'an 1000. Oh, my God.
Alors juste un peu de vocabulaire, est-ce que vous connaissez la différence entre un jacquet et un miquelot ? Alors un jacquet, c'est un pèlerin qui fonce vers Compostelle, parfois à partir du Mont-Saint-Michel. Alors j'admire beaucoup les jacquets, je suis ami avec quantité de jacquets. Il y a une association de jacquets en Bretagne, il y a 1600 adhérents, c'est formidable. Mais moi je serais plutôt, je dois dire, un peu miquelot, c'est-à-dire que je suis un pèlerin du Mont-Saint-Michel. Pour moi, le Mont-Saint-Michel, c'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée, tellement sa force symbolique de Jérusalem céleste et tout ça est forte. J'aimerais bien que nous, habitants d'Ille-et-Vilaine ou d'ailleurs, ou de Normandie d'ailleurs, on réhabilite l'aspect du mont comme point d'arrivée. Et là, évidemment, il prendrait un sens bien plus fort. Vous savez que c'est un lieu habité spirituellement grâce à Malraux, hein, qui a voulu que ce lieu retrouve des moines et des moines d'abord, et puis finalement aujourd'hui des moines et des moniales. C'est important de les connaître pour saisir ce qu'est aujourd'hui le mont pour des gens du monde entier qui viennent le rejoindre, qui aspirent à y arriver. Dans un premier temps, ce sont les bénédictins de l'abbaye du Bec-et-Loing qui ont été la flamme du mont. C'est une grande abbaye de Haute-Normandie. Je leur suis très reconnaissant parce que leur présence a été pour moi très forte. Mais depuis quelques années, ils ont été remplacés par les fraternités monastiques de Jérusalem. Il y a juste un qui est resté, le frère André, qui est curé de Pont-Orson, qui en même temps est curé de la petite église paroissiale du Mont. La fraternité, elle est composée d'un côté des hommes qui ont leur propre fraternité, de l'autre côté les femmes qui vivent aussi en fraternité mais qui se réunissent plusieurs fois par jour pour mêler leurs voix. C'est d'ailleurs très très beau, cette liturgie de pureté et de paix à la hauteur de la beauté du monde. Des moniales, la communauté des sœurs. Vous savez qu'ici, il y a deux communautés distinctes, la communauté des moniales et la communauté des frères. Quel bonheur d'être accueilli chez vous. Je me suis toujours imaginé que le Mont-Saint-Michel, finalement, ce n'était pas un point de départ vers Jérusalem, vers Rome, vers Compostelle. Le Mont-Saint-Michel, mais c'est quand même un point d'arrivée. Expliquez-nous le sens du pèlerinage du Mont-Saint-Michel. Alors, en effet, le Mont-Saint-Michel a été construit pour les pèlerins. Et oui. Les pèlerins qui venaient de toute l'Europe, qui convergeaient vers ce sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel. En effet, ils arrivaient par le côté nord, donc oui. Pas par le côté actuel où nous arrivons, oui. Le sud. Breton, le mais... côté breton. Ils arrivaient donc côté nord, le côté abrupt de la colline, enfin du mont, et ils montaient jusqu'au sommet où ils célébraient la messe de clôture. L'arrivée, c'était comme s'ils arrivaient dans la Jérusalem céleste. Hein. Voilà, c'est donc l'idée du pèlerinage idéal, en quelque sorte, voilà. Que fait l'humanité vers Dieu, vers la Jérusalem céleste. Je pense qu'on ne peut pas trouver au monde un pèlerinage aussi symbolique. Avec cette idée très forte de montée, parce que la montée est rude, et la pente est vraiment ardue, et donc il y a vraiment cette idée d'élévation. Et en haut, quand on est au sommet, on est entouré par cette baie, cette nature grandiose, tout ça pour la gloire de Dieu, donc effectivement c'est un point d'arrivée, un tremplin vers le ciel. Et l'archange Saint-Michel, là-haut, au bout du clocher, en fait, de son épée, si on peut dire, désigne Dieu. Dans le monde chrétien, le grand médiateur, c'est quand même le Christ. Quelle place on peut faire à Saint-Michel, en fin de compte, chez nous ? Alors Saint-Michel, c'est un archange. Et c'est un archange qui fait partie des trois archanges qui sont cités dans la Bible. Dans la Bible, hein. Oui. Donc voilà, donc il y a vraiment un fondement biblique connu et donc l'Église, bien sûr, a toujours exploité. En fait, Saint-Michel archange a deux grandes fonctions. C'est l'archange qui combat
le dragon et qui, avec ses anges, l'a jeté bas sur la terre, où il rôde encore. Et donc, c'est cette image du combat, de cette victoire qui est déjà acquise par le Christ, oui, et par sa mort et sa résurrection. Et les archanges qui sont les archanges et les anges restés fidèles à Dieu sont nos intercesseurs, nos avec les saints dans le ciel, et donc ils nous aident pour le combat chrétien que nous avons encore amené, qui est le bon combat de la foi. C'est toute la notion du combat spirituel. Oui, il ne s'agit pas d'écraser qui que ce soit, les ennemis ou tout. C'est avec les forces spirituelles, gravir un peu en humanité, quoi. C'est aller vers Dieu. Tout en étant aidé, fortement et puissamment aidé par la prière, par bien sûr les sacrements de l'Église, etc., mais aussi par la défense de l'archange qui est là pour nous aider à combattre. Et vous, sœur Nathanaël, qui avez vécu à Vézelay, qui avez vécu dans des hauts lieux, de vous retrouver ici, c'est une expérience qui peut s'approfondir. Enfin, vous avez le sentiment d'avoir avancé avec toutes ces forces spirituelles autour de vous. On a toujours, toujours à progresser. Dieu, on ne peut pas mettre la main sur lui. Il est toujours au-delà. Oui. Et la quête augmente notre désir. Et au ciel, seulement nous verrons Dieu. Et aussi la vie en communauté. La vie en communauté aussi. La vie en communauté, elle nous aide justement à nous façonner le cœur pour avancer. Et l'accueil des braves là, qui viennent des quatre coins du monde, ça fait partie. Ça compte aussi. Bien sûr, ça fait partie de notre mission ici. Ouais. Et c'est une joie de voir tous ces gens qui passent, dont beaucoup viennent en visiteurs. Et un certain nombre, je pense, Dieu le sait, hein, évidemment, ne repartent pas du mont tel qu'ils sont arrivés. Ouais. Hein. Voilà. C'est vrai, j'ai remarqué qu'ici, on peut saluer n'importe qui. Il y a toute cette idée de fraternité, de gens qui convergent du monde entier. Ouais. Et ça nous fait du bien de nous dire bonjour, de voir de bien quel sûr. Pays ils sont. Alors là, il y a toute une spiritualité de l'accueil tout simple. On ne peut pas accueillir personnellement des milliers de gens. Bien sûr. Mais simplement par la prière et dans la prière, ce qui est notre première forme d'accueil. Et aussi, je dirais, au quotidien, dans nos allées et venues, puisque tout le monde est autour de nous. Je dirais l'accueil simplement par le sourire, une petite parole. C'est un lieu que je découvre, un lieu impressionnant, mais dans tous les sens du terme. Enfin, moi je suis émerveillé par ce qui se vit ici. Le Mont Saint-Michel, c'est vraiment un lieu de grand contraste. À la fois, il y a la marée océanique avec qui avance puis qui se retire. Mais on a aussi ces marées humaines chaque jour dans ce chemin qui conduit les pèlerins ou les touristes qu'on porte dans la prière pour qu'ils deviennent pèlerins en montant les grands degrés vers l'abbatiale, eh bien, puissent accueillir ce qui leur est donné ici comme le lieu où Dieu peut être rencontré. C'est important la messe offerte, la messe de vos communautés rassemblées. Cette messe offerte à des gens du monde entier, c'est important. Bien sûr. Ouais. Les cloches, déjà, pour toutes les personnes, c'est comme l'appel. Ouais. Il y a un rendez-vous qui est fixé, il y a un appel qui est envoyé. Après, elles y répondent ou elles n'y répondent pas. Mais en tout cas, à chaque fois que les cloches sonnent, c'est comme une invitation qui est lancée, une invitation à se mettre en marche pour la rencontre de Dieu. Et nous, à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie au milieu du jour, eh bien, c'est comme pour manifester aussi que Dieu nous attend. Alors, nous la célébrons évidemment pour les pèlerins qui sont rassemblés, qui ont convergé également pour cette célébration eucharistique où Dieu appelle, mais où Dieu se donne d'abord finalement. Et finalement, s'il appelle, c'est pour se donner et pour être accueilli, rencontré dans une vie. Et on l'offre pour tout le monde, même pour tous ceux qui ne savent pas qu'ils sont attendus. Mmh. Parce que nous savons tous, le Mont Saint-Michel, oui, c'est un lieu de pèlerinage, mais finalement, toute notre vie est un lieu de pèlerinage, parce que toute notre vie est une montée vers la rencontre de Dieu, mais qui est d'abord celui qui descend, qui vient à notre rencontre. Et nous savons qu'à un moment donné, tous dans notre vie, le jour de notre passage, de notre Pâques, eh bien, nous aurons l'occasion de rencontrer le Seigneur. Et là, ce sera le moment décisif. Et là, Saint-Michel intervient. C'est sa deuxième mission. C'est-à-dire, Saint-Michel, il a deux attributs, rarement ensemble, mais ici, sur la statue de l'Église, il a la lance qui lui a permis de terrasser le dragon. C'est le combat. Le combat, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et il a la balance parce que
Saint-Michel est dit psychopompe, c'est pas un grand mot, c'est-à-dire passeur d'âme, tout simplement. Et ça, effectivement, ça fait référence à des missions qu'il y avait déjà dans des civilisations très anciennes, en l'Égypte, des choses comme ça. Passer dans le monde d'en haut. Mmh. Et donc là, de nouveau, on aura Saint-Michel avec nous, d'où l'importance du culte à Saint-Michel. On peut dire à travers la liturgie que l'éternité est déjà commencée, notamment au Mont Saint-Michel, parce que il y a quand même tout ce poids symbolique qui fait qu'on vit peut-être là plus intensément cette idée d'une présence, quoi. Je pense qu'on l'a peut-être, elle peut sembler plus explicite pour ceux qui y viennent, mais en fait la liturgie, quel que soit le lieu où on est, il faut avoir conscience que la liturgie, la première liturgie, c'est pas celle de la terre, c'est celle du ciel qui est célébrée avec tous les saints et les anges, et qu'en fait nous, en célébrant la liturgie, en fait, on rejoint, entre guillemets, cette liturgie qui est déjà initiée au ciel. Sauf que peut-être que pour les hommes, on prend conscience de cette liturgie, de ce lieu de la rencontre avec Dieu. Mais en fait, la prière ou la liturgie, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au ciel. Oui. Mais nous, on rejoint cette prière qui est au ciel par la liturgie, et cette liturgie qui est chantée par les anges et par les saints. Et par exemple, notre prière, notre liturgie communautaire, ne change pas, que ce soit ici au Mont-Saint-Michel, à Paris, à Magdala en Sologne, la communauté qui est perdue dans la forêt, à Montréal, c'est la même liturgie, nous chantons la même chose. Mais effectivement, les gens dans des lieux comme ça, qui sont des lieux vraiment très forts, avec en plus ce sentiment de montée, il y a quelque chose effectivement qui... Eh bien tant mieux, tant mieux, et Dieu s'en sert. Bien sûr, cette communauté, c'est magnifique, mais peut-être ne savez-vous pas que le lieu d'aboutissement du pèlerinage à Saint-Michel, ça n'est pas à l'abbatiale, c'est à l'église paroissiale. C'est là que Saint-Michel est vénéré principalement par des gens qui viennent du monde entier. On a la chance ici de rencontrer Henri, dit Riton, qui a beaucoup de choses déjà dans sa casquette, dans sa vie, mais qui s'épanouit au Mont à accueillir les pèlerins. En plus, il est du diocèse de Rennes. Alors Roger, ici nous sommes dans le sanctuaire de Saint-Michel. C'est ici que viennent tous les pèlerins. Parce qu'ici, c'est le lieu de la gratuité. On vient voir Saint-Michel, et Saint-Michel, c'est ici, voilà. Et c'est pour ça que tous ceux qui marchent viennent s'arrêter ici, déposent une lumière. Comme la péruvienne, tout de suite. Tout de suite, et des gens de tous les pays du monde, aussi bien du Japon, des États-Unis. Quand on est ici tous les jours, c'est assez surprenant de se rendre compte de ça. En fait, c'est un rendez-vous d'honorer les forces spirituelles, quoi. Exactement. Les gens viennent du monde entier. Saint-Michel est... Au Brésil, par exemple, Saint-Michel a une place très très importante. Voilà. Et alors, j'avais déposé ce petit panier, et puis au fur et à mesure du temps, il se remplit d'intentions. Ouais, je vais t'en donner. Voilà, celle-ci. Je souhaite que mes enfants, Thomas et Julie, trouvent la lumière en eux, et qu'ils vivent dans l'amour. Merci, merci, merci. Amen, amen, amen. C'est beau. Voilà, mais il y en a quantité d'autres. On peut prendre celle-là aussi. Cher archange Michel. Ça c'est assez surprenant. Cher Michel, cher archange, c'est très, très fréquent dans les intentions. Oh, oui. C'est un ami. Voilà. Merci de m'apporter ton aide dans les démarches médicales et financières suite à mon accident du 22 mai 2016. C'est souvent du cœur, je te remercie. C'est souvent après des choses très graves que les gens viennent ici. Des souffrances intérieures. C'est pour ça que Saint-Michel, c'est celui qui combat le mal d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a l'épée et le bouclier. Ouais. Et je dis souvent aux enfants, voyez Saint-Michel, son épée ne touche pas le dragon. Il le combat, c'est-à-dire qu'il est là pour empêcher, parce qu'on sait que le mal existe toujours. Voilà, donc c'est ici. Alors tu vois, il y en a quantité. Il y en a même deux paniers. Ah, dis donc. Voilà. Il y en a des choses dans cette chapelle. C'est-à-dire que les gens apportent ce qu'ils veulent. Alors, quelquefois, je trouve des bouquets de fleurs au pied que je remets.
Et puis ça, par exemple, j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps, qui a été apporté avec des petites bougies. Regarde, je mets ça à Saint-Michel. Ah oui, ils ont préparé tout ça pour Noël, en fait. Ah, je sais pas. Ah, il y a un petit mot, là. Oui, regarde l'intention qui a été déposée. J'ai même pas regardé. Je n'ai même pas regardé ce que c'était. J'ose à peine, c'est pas destiné à moi, c'est destiné à Saint-Michel. Ah, c'est pour Saint-Michel, ici. C'est ouais. Pour Saint-Michel. Tu regardes quand même. Oui, oui, oui. Mon cher archange. Tu vois déjà, mon cher archange. Me voilà près de toi, un an après. Toi qui m'as mis le bouclier de protection. Ah. Toi qui m'as donné la force, le courage et l'envie de traverser toute cette épreuve. Tu vois, on revient toujours. Je revis. J'ai tant appris cette année grâce à toi. Merci. Aide-moi à avancer encore et encore et encore. Exauce mes prières, je t'en prie. Merci, je t'aime. Alors tu vois, en plus, elle a apporté ça, c'est faut monter ça jusqu'ici, c'est vraiment du pèlerinage. Ah oui. Parce que monter... Alors, elle a déposé ça, elle a dû pousser la grille, elle a déposé ça sur l'autel, et puis je l'ai laissé là, parce que après tout, comme la bougie là, je vais l'enlever un moment, mais je sais pas. C'est ici vraiment le lieu où on s'arrête, et puis on confie à Saint-Michel tout ce qui est difficile, puisque Saint-Michel est celui qui nous aide à combattre... ce qui nous arrive et qu'on ne comprend pas. Merci Henri d'être présent. Et puis t'es un gars de chez nous en fait. Oui, mais je fais ce que je peux. Hein. Je ne suis pas Saint-Michel. Je suis son employé, comme diraient certaines personnes. Je suis l'employé de Saint-Michel. Quand il me dit qu'il faudrait faire ça, je le fais. Et dis-moi, tu es contente de faire. Ah, ici, faut aimer le bon Saint-Michel. Ouais. Ah, c'est un aboutissement pour toi. Ah, c'est la paix ici, c'est merveilleux. Ouais. Ouais. Merveilleux. Faut être là tous les jours. Et le Mont Saint-Michel, que ce soit l'été, l'hiver, c'est jamais pareil. C'est toujours assez extraordinaire. Et c'est des rencontres aussi pour toi. Ah, ce n'est que ça. Ah bah oui. Tu as la chance au fond. Ben oui. Sacré Henri. Vous pouvez continuer vers la sortie tranquillement. Allez. Bon. Bon. Bon bah. C'est dans cette église paroissiale que nous avions au fond fini notre pèlerinage, puisqu'il y avait ce concert Traverser les siècles. Il nous restait encore une chose à faire cet après-midi-là, c'était d'atteindre Ardevaux. Est-ce que vous connaissez ce prieuré dont je vais vous parler maintenant ? Plus enjambé, il faut traverser les marais, essuyer une petite giboulée supplémentaire parce que le temps s'y prêtait. Franchir une passerelle un peu improvisée et puis atteindre du bon côté Ardevaux. Le prieuré d'Ardevaux, c'est aussi un lieu de beauté extraordinaire que le Conseil général de la Manche a cédé au diocèse de Coutances, aidé par le diocèse de Rennes, pour créer là un relais pour les pèlerins et puis en faire un haut lieu intellectuel et spirituel. Nous voici arrivés enfin à Ardevaux, qui est planté sur son tertre, au bord de la mer, enfin, au bord de la mer, au Moyen-Âge, maintenant il y a les marais. Ce fut un important manoir bénédictin, on peut dire, comme étaient les manoirs civils, c'est-à-dire derrière moi, c'est la grange d'Imbière qui servait à alimenter les moines du Mont, et devant moi, un magnifique colombier. Mais le bâtiment le plus intéressant que l'on peut voir ici, qui serait intéressant à mettre en valeur, ce bâtiment du XIIIe siècle, qui est à côté de la grange d'Imbière, parce que pendant qu'il construisait la merveille, eh bien, les moines rendaient la justice dans ce bâtiment qui a peut-être été même conçu par l'architecte qui a élevé la merveille. D'ailleurs, il a des fenêtres avec des trilobes, des fenêtres géminées, exactement comme au Mont Saint-Michel. Alors, c'est vous dire l'importance de ce manoir qui n'est qu'à une lieue du Mont Saint-Michel. Alors, pour nous, Rennais, qui emprunterons le sentier roman, eh bien, c'est la dernière halte inespérée, hein, puisqu'on pourra dormir ici. Et le lendemain matin, au lever du soleil, arrivé au Mont Saint-Michel. Pour les premiers pèlerins du sentier roman de Rennes au Mont Saint-Michel, c'est là que s'arrêta Ardevaux notre marche. 100 km ensemble, cela méritait bien quelques applaudissements.
et Stéphanie se traduire à travers ce chant Amazing Grace, une grâce merveilleuse, ce qu'avaient ressenti beaucoup d'entre nous.